vives tensions ont régné ce lundi dans la commune de Carrefour, où des barricades de pneus enflammés ont été érigées sur la route nationale numéro 2. Après plusieurs journées de tensions consécutives, où des habitants de cette commune protestent contre l'assassinat par balle du policier Walkie Calixte mardi dernier. Notons que des mouvements de panique ont été également signalés dans d'autres quartiers de la capitale. Une situation de tension a régné encore ce lundi à Carrefour, où des pneus enflammés ont été remarqués. Un mouvement de tension qui a paralysé également les activités à Martissant et au centre-ville. Tout au long de la grande rue, la circulation automobile et piétonne a été ralentie. Les portes des magasins sont demeurées fermées. Seuls les motocyclistes circulaient ce lundi 23 avril au centre-ville. Ce mouvement de panique a soufflé également à Delma et dans la zone de l'aéroport. Une situation qui a dérangé les conducteurs des autobus qui assurent le trajet Port-au-Prince vers les villes de province. Ce lundi, les policiers étaient aussi en grève. Ils ont brillé par leur absence dans les rues. Par ce comportement, ils réclament justice pour leur camarade Walkie Calixte et pour tous les policiers assassinés. Le directeur général de la police nationale, Mario Andressol, dément les informations laissant croire que des agents de la PNH seraient en grève. Monsieur Andressol dénonce la manipulation du mouvement des policiers par certains groupes d'individus. Le responsable de la PNH rappelle aux policiers qu'ils n'ont pas le droit d'entrer en grève. Il menace de sévir contre des policiers qui afficheraient de mauvais comportements. Il dit également espérer que la justice sera rendue aux policiers Walkie Calixte tués par des bandits. Monsieur Andressol a profité de cette rencontre avec la presse pour dénoncer la libération de certains bandits arrêtés par la PNH. Parallèlement avec les policiers qui sont morts, nous avons des gens qui ont été en dedans l'institution. Mais pour l'autre cas, policiers qui sont tombés, et surtout policiers qui relaient Walkie, nous pensons qu'une fois, n'est pas coutume, le commissaire gouvernement, les touchés de questions, l'a fait suivi au niveau de la justice avec. Nous avons souhaité que Kassa, pour une fois, la lumière faite sous lui. Et pour une fois, au moins, nous avons considéré toute bataille que nous avons fait depuis ces temps. À chaque fois que nous avons dénoncé le fait que des policiers sont victimes parce que des bandits qui ont arrêté, ont libéré. Et ils ont même sorti, les bandits ont sorti de la prison, ils ont lagué. Semaine ça, nous avons deux, trois bandits, ou gros bandits qui ont été arrêtés, qui ont lagué dans la condition que nous avons beaucoup clair là-dedans. Exposer les membres de la police, exposer la population. Sécurité, ce n'est pas seulement les affaires PNH pour l'État et affaires de la police, l'État a fait toute entité. Et nous avons exhorté toute entité qui travaille de concert avec la police, comme la police est dernière en chaîne pénale, là, pour prendre conscience de la situation de tout groupe, ça a dit qu'il y a cas policiers qui tombent Matissan, qui ont affecté la circulation, mettez-nous au dire là. Je veux dire, il y a tout le monde qui a fait manipulation pour récupérer le mouvement et ce qu'a fait là pour dire c'est la police, c'est pour la police qui a défendu. Comment un monde a supporté la police et puis a bloqué la route alors que c'est la police pour venir débloquer la route là? Comment un monde tout a voué wash sous la police pendant que la police a fait travailler, a découragé la police pour faire travailler pendant que nous avons supporté? Et demander aux policiers pour ressaisir, pour comprendre bien ce qui a passé là. Parce que la situation aujourd'hui, là, je ne crois pas que les gens liés là, les gens qui ont couru, les gens qui ont fait courir, sont bons pour l'institution. Il y a des gens qui sont frustrés, moi je suis frustré contre eux-mêmes, sauf que moi je ne suis pas autorisé à faire n'importe quel bagaille. Je ne suis pas faire n'importe quel bagaille dans le chef de la police. Mais si aujourd'hui, là, vous avez, par exemple, des gens qui sont dans la police là, et puis qui ont cautionné le mouvement de grève ou bien un mouvement de protestation, mais le grave, nous avons un sérieux problème là dans la société. Ça. Donc au-delà de toute ça que tu as présenté comme problème, ça veut dire ça lui-même. Même parce que la nation aujourd'hui là, est en péril. Parce que aujourd'hui, même on dit clairement, c'est la seule institution qui est censée être québécoise dans le travail. Mais aujourd'hui, on a filtré depuis qu'on a engagé le mouvement. Et on a appelé nous, même dans la main. La maison, quand elle dégrase, oui, les soldats prennent officiel, mettent devant le quartier général.
Donc on y a aujourd'hui là au grand groupe qu'on y a qui y a manipulé et puis aujourd'hui là qui va tomber dans situation, il va avoir aucune crédibilité encore devant et communauté nationale et internationale. Et c'est justement c'est ça m'a fait police comprendre. Donc aujourd'hui là parce que la police c'est ça qui fait ça, mais la police n'a pas existé, ça fait. Et quoi, ouais, donc c'est des gens qui voulaient entrer dans la police là, tout le temps pour rentrer, ils font tout ce qu'on est bien pour rentrer. Quand ils rentrent, ils vont la changer. C'est eux qui battent les gens, c'est eux qui calent, c'est eux qui brisent, ils ont braché. Doléance, ils ont forme pour le passé. Ils ont recours, ils sont capables de faire. Ils ont recruté le directeur général de la police là, ils ont voulu le directeur général. Ils ne sont pas satisfaits, ils sont frustrés. Ils n'ont pas demandé pour aller les armes, ni pour bloquer la rue, ni pour prendre, et pour t'apprendre, pour dire bon, je vais travailler, je vais protester. Depuis, ils n'ont pas fait le travail. Et formule là, oui. Sache pour moi vous dire là, minute ça souterrain. On nous dit vous comprenez pas le travail. Mais voilà, monsieur, bon, nous avons 4 là, ok, merci beaucoup. Eh bien, reste travail dans le compenser en attendant que le formé mon goût dans le bateau. Momentanément, on veut des groupes qui ont fait des bails déviants, mais qui rapidement tout qu'on a qui a pour qui vous saisir. Et là, ça qu'on a, l'institution qu'on a continué à fonctionner, nous pas qu'à faire bac, je dis. Parce que je dis encore, l'on regarde comme ça dans une situation de confusion rien. Pas qu'il y ait l'autre bagage pour qu'il y ait au moins qu'un bon ensemble de stabilité, c'est la police. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jean-Renel Sénatus, annonce que l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte progresse. Et dans une interview accordée à Radio Métropole, le commissaire du gouvernement a fait remarquer que les autorités judiciaires mènent actuellement cette enquête de manière scélère. Cette enquête ne va pas se poursuivre indéfiniment, comme tant d'autres, a martelé le commissaire Sénatus. Policiers, c'est moun kakou tout moun, yo capable gen des émotions, yo capable gen des frustrations. Même m'a mandé yo, puisque en tant que policiers, c'est des hommes d'État, yo doit monter yo, lever yo nan niveau homme d'État que yo y a, pour qu'on ait en dépit du fait que yo même, yo gagne des frustrations, des revendications, mais yo rete des autorités qui placées pour bail sécurité avec reste population. Par conséquent, on prend mission nous, on prend détermination pour nous rendre service à communauté ya, parce que communauté a tout les sympathiser à eux même policiers qui a tombé. Donc yo pas gagne droit punir société ya. C'est pour rete bail société à service. Le parquet de Port-au-Prince qui gagne pour obligation pour le travail dans un commun accord avec la police, l'a demandé à policiers pour yo garder calme yo. Moi connais que nous frustrés, mais nous sommes tous assignés à une fonction et fonction c'est bail sécurité à population. Non pas qu'à livrer population à voyou yo, non pas qu'à quitter population à lui-même seul. M'a demandé nous gagne un petit confiance s'il vous plaît dans appareil justice là ça va pas passer comme ça justice à prendre à Calixte il faut que nous travaillons tout pour pas gagner l'autre Calixte Walkie qui tombe dans la société. Le premier ministre désigné Laurent Lamothe a effectué ce lundi 23 avril à la chambre basse le dépôt de ses pièces. Monsieur Lamothe a remis au bureau de la Chambre des députés plus d'une cinquantaine de documents. La commission chargée d'analyser le dossier du Premier ministre désigné s'est déjà mise au travail. Après avoir déposé ces documents, le chancelier haïtien s'est montré très confiant quant à ses chances d'être ratifié par les députés. Moi, rempli étape A, moi mettre documentation kounya la ballon nan pied commission. Et qui peut faire travail. Donc, moi-même, 7 ans que je m'attends, résultat, et puis après ça, pour nous avancer. Nous sommes conscients que le pays a une situation qui est difficile. Donc, je pense que, encore une fois, tout le monde est conscient de ça. Mais, la commission peut faire travail avec professionnalisme, avec patriotisme, pour nous avancer. Parce que tout le monde a besoin de sortir du pays dans sa vie. Et moi-même, tout. Monsieur, de toutes les façons, commission
travail que l'a fait. N'a quitté commission fait travail et ça a son étape dans processus démocratique a fait, on nous quitter processus là en fait normalement. On pas veut faut qu'une déclaration qui sorti en dehors cadre de ça qu'a fait là la journée aujourd'hui. L'autre question on pense après étape ça nous capable parler de ça. Pour le moment, on quitté commission fait travail.